Et salut les gens, on continue notre aventure française. On est en 1456 et on avait déclenché à la fin du dernier épisode une petite guerre, une toute petite guerre dans l'objectif de convertir à terme Montbéliard, une faction qu'on avait libérée durant le dernier épisode justement. Donc là c'est une guerre qui va être normalement assez rapide, ils sont pas très nombreux. Un peu éclaté par contre au niveau de la géographie, j'espère que je pourrai aller un peu partout. On est en guerre notamment contre le pape. Donc, commençons. Hop, toi tu vas aller. Ouais, ça marche. Ça marche, toi. Il y a une armée rebelle, mais on va aller là. À Sion. Et je dois avoir une autre armée qui traîne. Ah, si, il y en a une autre. Voilà, alors vous. Ah non, ils peuvent pas, c'est vrai. À Venise, ils sont coincés. J'ai pas encore les navires de transport. Bon bah c'est pas grave, deux armées c'est déjà pas mal. Ouais parce que sinon au niveau des points impériaux, on était à 0,15 il y a deux épisodes je crois, là on est à 0, même le dernier épisode. On a perdu 0,02 et ça fait beaucoup. Donc il faut qu'on convertisse les hérétiques quand on arrive à les repérer. Ce qui est pas chose facile, là Montbéliard c'est le seul que moi j'ai repéré en tant que territoire hérétique de l'Empire. Les autres je les vois pas, je suis aveugle. Et je sais pas, outre la carte, comment les repérer facilement. Il n'y a pas dans les... Hop, ici, il n'y a pas territoire de l'Empire, et puis regardez les religions. Tac, 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 tac. Non. J'étais persuadé qu'il y avait un truc concernant l'Empire, mais non. Ah non, les empereurs seulement. Seulement les empereurs. Dommage. Parce qu'autant dans le jeu de base, même les plus petites factions sont facilement repérables, autant là, c'est vraiment un chantier absolu. Si c'était des couleurs aussi voyantes que ça serait bien, mais là, sur le jaune, ça fait un peu bizarre. Là, c'est un lac. Ah, l'impératrice est décédée. Alors, attendez voir ça. L'héritier est toujours là. 5 ans, dans 10 ans, on pourra démissionner. On aura notre bonus de plus 11. La papauté, est-ce qu'on lui demandera quelque chose de particulier? Non. Ok. Oh, ben donc, ils en remportent des sièges. Rome est tombée. Vous êtes qui, vous? Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudra faire une petite guerre contre ce gaillard pour... Juste pour un territoire, il faudra qu'on aille en Afrique. Oh là là, c'est vraiment la galère. C'est vraiment la galère. Tiens, Rome a pris pied ici en Grèce. Intéressant. Peut-être que je peux casser des alliances simplement, ou je sais pas. Comme je fais d'habitude, ouais. Pas plus. Ah bah c'est déjà pris. Y a rien en fait. Tout est déjà occupé. Bon, allons par là. Efficace. Les vassaux là, dans ces configurations-là où les ennemis sont pas très nombreux, les vassaux ont vraiment une utilité. Il devrait nous donner des points à chaque fois que il y a un ajout de province dans l'Empire quand même.
et personne ne veut se rendre, genre toi. Toi, t'es mon béliard. Lui, par exemple. Ah, c'est contre lui que je me bats? Non, lui, c'est... celui qui m'a servi de prétexte, justement. Dauphiné, Lausanne, Lausanne, Montbéliard, Saint-Blé... Bah, Montbéliard, du coup, on va... exiger la conversion, c'est pour ça qu'on fait la guerre. Ça, c'est fait. Du coup, passe-moi à 0,14, parfait. Deux hérétiques encore. Lausanne, 99. Eh ouais, et là, si je prends le Dauphiné, ça fera une tâche en moins, mais ça fera un. Je vérifie juste ça. Il a 99, bah lui aussi il va faire ça. On a quasiment terminé là. Si on a dit Lausanne. Hop, vérifions ça. En fait, c'est que des territoires qu'on demande. 99, eh ben. Là, on va fâcher du monde en faisant ce qu'on va faire. Et après, on fera notre petite guerre en Sicile tranquillement. Avant de se réattaquer la Sicile elle-même, d'ailleurs. Oh, 0,13, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais où est donc Ornicar? Vous êtes des hérétiques, vous? Non, même pas. Oh, c'est dingue, ça. Ouh! Où sont les hérétiques de l'Empire, ça? Oh, des hérétiques! Saleté! Ah, je trouve un moyen de vous atteindre, vous. Ce serait vous? Ce serait vous! D'accord! Ah ok, d'accord. C'est bon. J'ai trouvé. On va trouver un moyen de les atteindre. Et c'est ça la priorité, hein. La Sicile, ça attendra. Parce qu'il faut éviter que ça se propage, cette affaire. Ok, on a 99. On peut même pas manger tout ça, mince. On va attendre le mois suivant. On donnera ces territoires à un de nos vassaux. Si tant est que ce soit possible, j'ai pas l'impression que ce soit possible en plus. Ouais, est-ce que ça... vraiment? Je pense que ça ne marchera pas. Je fais juste Sion. Ouais, c'est gênant, ça. On va voir si ça marche. Pour moi, je ne prends que la Bresse. Les deux autres seront confiés... Saint-Maurice. Haha, ça veut pas. Ouais, non, c'est pour ma pomme. Bon. On va s'estimer heureux de pouvoir le légitimer déjà. Mais ça fait un peu tâche. Et ça fâche du monde. Donc on va se calmer ici. Les prochaines guerres seront pour reconvertir. Les Est.
Ah là là, c'est compliqué. C'est un chemin compliqué. Sinon, il y a quoi d'autre? On avait dit lui? Pise. Ouais. Et il n'a pas d'allié. Mince. Allez, on va utiliser les 10 qu'on a actuellement pour ramener nos hommes. On va trouver le chemin. On va trouver le chemin. Il y en avait un troisième, c'était lui. Est... Ah, intéressant ça. On pourrait faire une pierre deux coups ici. On les garantit, eux. Donc déjà, c'est un problème. On va casser la garantie. C'est moi qui les ai libérés. C'est moi qui ai créé ce bazar. En dehors de ça, t'es allié à Fermo, du coup. Toujours pas possible de... Donc il n'y a vraiment que lui. Hop, lui on avait dit. Alsace, bah voilà. Donc Alsace, Ashberg. Elle... Ah, on peut pas. C'est pas vrai. C'est compliqué, hein. C'est quoi déjà? Toi, Ashberg. Lausanne. On vient d'être en guerre contre Lausanne. Dommage! C'est trop lointain, je pense. Les ailes, ça changerait rien. J'ai pas de revendication là-dessus. C'est où ça? Ok. Nope. Ça est très gênant. Bah c'est cool la Bohème qui ajoute des terres dans l'Empire. Imaginez qu'on puisse monter à 16. Et si Fermo revient à tout hasard? En fait, en prenant le contrôle de la Sicile, je me demande, on va évoluer dans la mission. Ici, tac, prendre tout ça. Ça m'amène Campanie et Apulie. Tout ça. Et là, dans le nord... Ah, il est juste de l'autre côté de la frontière. Saleté. Oh là là, terrible. Il n'empêche que d'ici 2 ans, je crois, si je me souviens bien, la Sicile 59, voilà. Donc lui, je l'attends. Après, en attendant, on peut très bien faire cette Sicile. On a ce qu'il faut en plus sur place, nickel. C'est juste la conquête de l'Afrique qui va être un peu plus lente. Ok, il ramène les hommes, il se repose un peu, puis après il ira emmener du monde en Afrique. On s'est bien rehaussé au niveau des points auprès du pape, et en plus on va améliorer les relations, parce que la dernière guerre, ça n'a pas dû lui plaire. Allons-y alors, est-ce que c'est quoi le mieux? C'est la guerre sainte.
Hop. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a toujours 10 000 hommes. Attends, repose-toi. Juste un instant. Voilà. Un mois. Ils sont que 3? Non, ils sont plus que ça. Il y en a, ok, sur Lesbos. Et les baléares? Alors, eux, ils peuvent me poser des soucis. 32 navires, ouais. Ça peut être problématique. Ok, voilà. Ah ouais, mais il peut pas emmener tout le monde d'un coup, ok. Il faut espérer que ça se passe pas trop mal, là, la traversée de ces territoires. Enfin, ces méritoires, plutôt. Hop. Voilà. Hop, on va là. On va ramener les 10 000 hommes de plus. Je prends le risque de me fâcher un peu plus avec le pape, ça va se rétablir, ça. Ah, la corruption, c'est un peu gênant. Oh, 12, mince, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, cité libre, ça on pourra arranger. Mais on était habitué à gagner tellement de points que c'est gênant quand même. Hop, tu vas rentrer là. Puis ensuite, cette armée ira dans le désert. Qu'est-ce que c'est que ça? Une institution, 6000, bah oui. On prend direct. Ah, par contre, on a 1100 points, je crois qu'il faut faire les dépenses avant. Nickel. Et on va attendre juste un mois de plus, on va aller là en attendant. Pour aller dans les Baléares. Et pas pour des vacances. Il y avait eu une grande affaire lors de la guerre de 7 ans d'une expédition française sur Minorque, je crois. Je crois que c'était pas Majorque. Je crois que c'était Minorque. Dans l'objectif de prendre le contrôle de l'île, simplement, quoi. Parce que ces îles-là étaient anglaises. Ou alors, au moins cette île-là était anglaise. Et du coup, une flotte française a délogé les Anglais. Et ça aboutit à un grand procès parce que... Alors pas pour le chef de la garnison anglaise, mais pour la flotte anglaise qui était venue secourir la garnison anglaise, n'avait pas osé rentrer dans le combat face à la France. Et du coup, quand il est revenu bredouille avec son escadre en Angleterre, un procès a été organisé contre lui pour expliquer ce fiasco, surtout auprès de l'opinion publique, ça la faisait mal, parce que déjà l'Angleterre avait une réputation à défendre sur les mers. Et du coup... L'opinion publique avait besoin d'une sorte de bouc émissaire et cet amiral anglais, dont j'ai oublié que la France avait un avantage sur son adversaire séculaire. Aïe, la souffrance. Mais en plus, j'aurais dû le faire faire le transfert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bah, tu vas te poser, hein. Après, même pas besoin de...
s'attaquer à tout le monde. Moi, je veux juste. Ah, je pourrais prendre. Ah, mais oui, c'est la guerre. C'est la guerre sainte. Je pourrais prendre ces territoires-là. Et par contre, là. Bah, ça vaut cher, néanmoins, tout ça. Je sais pas si c'est rentable. Oh, ça fâche tout le monde. Non, non. Eh, une paix blanche, hein, avec toi. Tu veux pas? Non, non, moi, à terme, de toute façon, je veux qu'un truc, c'est ça. On est en 59, la guerre avec la Sicile peut reprendre. La Sicile est fâchée. La prochaine guerre, ça va tellement faire mal au niveau de justement du système de coalition, je pense. Ah, la Suède, c'est vrai. J'ai toujours une revendication potentielle sur la Suède. Allez, un mois de plus. Et ensuite on y va. Ouais, fin de la trêve. Ça, c'est bon. Du coup, comment ça marche? Il y a un petit passage. Ok, toi si tu y vas. Mince. Hop. Non, touche. Ouais, non, j'hésite. Non, non, on va faire ça. Voilà. Sont deux. Ah, on n'est pas loin. Dès que Majorque tombe, c'est bon. Alors, 20 000 hommes à ramener ensuite. Ils ne pourront pas passer par Gibraltar, je pense. Non. On va arriver à temps. J'y crois. Ah bah de toute façon. Voilà qui est réglé. Sans plus. Tac, donc lui il rentre là-bas. Ça. On va ramener ça ici. Et on va transporter tout ça en une fois comme ça. On est arrivé. Très bien, ça c'est quoi? Fait péter ça aussi, même si bon, en vrai, c'était pas nécessaire. Ça va même me coûter des sous. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, on a dit la Sicile. Y a plus personne en Sicile, alors on va récupérer ça. Là, ça va être costaud, hein.
Les Siciliens ne sont pas là pour déconner. Mais bon, la première guerre, je pense, c'était quand même la plus dure. Vous allez être chargé. Ah, administrer un empire. Ok. Ah, alors, on est en 60. L'événement du royaume fantôme en Italie est arrivé. Vous voulez les faire sortir, hein, c'est ça. J'arrive même pas à lire la décision. Moi, je prendrais bien celle-là, mais personne ne veut la prendre. Après, on avait dit que dans les deux cas, ça serait... On y trouverait notre compte, parce que s'ils sortent, les Italiens, je pourrais effectuer des systèmes de conquête ou d'annexion diplomatique de manière plus apaisée, sans froisser les autres membres de l'Empire. Mais l'Autriche est devenue balèze, hein. On va aller dans ce sens-là, même si j'ai pas grand espoir. Et puis il y a ces 10 000 hommes. Ouais, toujours pas. Après, je peux très bien les... Ouais, on va faire ça. Plutôt que de faire tout le tour, parce que le système de navigation est tellement compliqué. Ok, parfait, ça c'est bon. Fois que j'ai cliqué dessus, c'est bon. Ah oui, tu peux faire le tour carrément. Non, non, tu vas monter dans les bateaux. Par contre, là, avec la flotte sicilienne, il faudra pas déconner. Qu'est-ce qui se passe? À ce point-là, donc faites vite. Aïe 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 aïe. Pas cool. Hop, on fait ça. On se refait. On va peut-être attendre l'événement. Et la Suède, hein, ça fait 10 ans. Qu'avec la Suède, il y a une possibilité de succession. Si elle éclate pendant que je suis en guerre contre la Suède, ça risque d'être un petit peu compliqué. Peut monter jusqu'à combien d'hommes d'ailleurs maintenant? 139, c'est toujours, ça n'a pas évolué. On n'a pas la date. Ah, il faut pas trop qu'on se fâche avec le pape non plus. Et puis je suis en train de réfléchir à ces guerres-là qu'on doit mener. Fermo. Lui, si on avait une revendication, ça serait parfait. Telli à qui, Fermo? Estepis. Bah, les autres hérétiques, en fait. Ouais. Il n'y a que lui qui est allié, qui nous laisse une ouverture potentielle, mais on avait vu que ça ne fonctionnait pas. Même au bout de la chaîne, ce serait tellement bien. Oh, lui. On n'a pas de revendication, faudra en faire une. Mais même avec l'Alsace, c'était quoi déjà? Alsace? Lui? Non, Altberg. Et c'est là que ça bloque! Ah, oh, c'est terrible. Sinon, revendication sur ce gaillard. Santé 1, 02, ok. On va attendre 6 mois. Ce sera assez terrifiant. Par contre, oh, et on est en paix. Cité libre. Tac. Ok, c'est bon. On passe à 0,13. Ah non?
Mince. Ah, bon sang, à ce point-là. Aïe, aïe, aïe. Alors l'Autriche, elle est capable de quoi? 48 000 hommes, hein, c'est balèze! La Bohème, 76 000 hommes. On y est presque! On va voir ce que ça va donner au niveau des points. J'espère que ça va pas trop décroître. Oh mon gars, oh mon gars! Ça c'est pas mal ça, ça c'est pas mal. Mais ça arrive au mauvais moment. Alors on va laisser le temps s'écouler pour voir ce qui se passe au niveau de l'Empire. Mais là, le dirigeant de la Suède est mort sans laisser d'héritier direct. Ils vont se joindre dans une union avec Alsace. Sans. À moins que nous les contestions. Si nous les contestons, ça créera une guerre de succession. Sur la Suède, on attend tout petit peu. Voilà, événement. Ou non événement, je sais pas. Hop. Ah oui, mais du coup. Ah, mais c'est moi, c'est ma décision qui prend le dessus. Du coup, on reste à 0,12. Et là, l'événement va durer. On a 30 ans pour ramener un maximum de gens dans l'Empire ou de maintenir, je sais pas trop comment ça fonctionne là. On va maintenir la politique qu'on avait prévue. En tout cas là, c'est pas de guerre contre la Sicile. Attends, attends, attends. Hey, j'ai choisi la guerre là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une revendication, c'est ça? What? J'ai bien mis Go to War. Alors si on ne le fait pas à la fin du mois, je reviens au 1er janvier. Ok. Alors là, je comprends pas. Ils ont un autre gars. J'ai pas de revendication. J'ai pas rêvé. Bah écoutez, je vais. On va s'arrêter là, mais la prochaine fois qu'on se retrouve, on se retrouve sur. Sur le 1er janvier, et je vais revoir la fin d'épisode. Parce que je suis un peu perplexe, j'ai l'impression d'avoir cliqué sur Go to War. Mais j'aurais manqué cette occasion-là, d'avoir un royaume potentiellement très puissant au nord soumis à mon autorité. Ce serait bien triste. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures françaises. Salut à tous!